J'ai loué un cinéma. Et oui, je vous explique un petit peu. On est au White, ici, au Docks, à Bruxelles. J'ai réussi à retrouver toutes les vieilles cassettes du caméscope de ma mère. Là-dessus se trouvent des souvenirs absolument extraordinaires. J'ai donc convié toute ma famille et on va regarder ce film ensemble. Attention, sortez les mouchoirs parce que ça va chialer. Bon, tout est prêt, tout est installé. Ah. On peut se choper des petits trucs à manger si vous avez envie. On est au cinéma, il faut pouvoir profiter. Hein. C'est qui paye? C'est moi. Ah. Jude, pas trop, hein. Parce qu'ils vont se goinfrer de bonbons, évidemment. Donc, qui va payer l'addition? Moi. Bon. Je suis l'aîné, donc c'est moi qui paye, merci. Merci qui? Merci Jackie et Michel. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui au cinéma. Oh, en fait. Wow. Imagine, t'aurais fait une sextape. Y avait... Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, mais je tiens quand même à dire qu'il y avait des images à Curaçao de toi seul nu dans la piscine. Ah, wow. Donc, et on va les voir. Non. Ok. Le cas, je vais pleurer. Oh, sûrement. Tu crois? Bah oui. Si tu ne pleures pas, tu es une personne sans âme. Et bonsoir à tous. Bonsoir. On a une chance extraordinaire. On a une salle de cinéma rien que pour nous. Donc déjà, merci au White Cinema de nous accueillir. Et surtout, je voudrais remercier quand même Memories Recorder, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire digitaliser toutes ces cassettes. J'ai fait un montage qui, j'espère, va vous plaire. Alors évidemment, au début, vous allez beaucoup voir ma tête. Donc désolé, mais en fait, donc, j'ai fait vraiment tout d'abord moi, et puis Jenna, et puis Glenn. Oui, parce que t'es le dernier, Glenn, donc voilà. Désolée pour toi, t'es plus petit, c'est comme ça. Vous êtes prêts? Oui. Oui, on est prêts. C'est parti. Chut. Oh, je pleure. Oh, que j'étais jeune. Ah, ça, c'est quand je l'ai reçu, la caméra, en fait. Ah, ça y est, je pleure déjà. Voilà jusqu'au haut du ciel de la... Cet accent, j'en reviens pas. De l'eau. J'ai 5 doigts à chaque main. Je les compte déjà bien. Ton premier jour d'école avec ta veste, tu te souviens? Ah oui, alors j'ai les looks, mais du début à la fin extraordinaire. Hein. Fais-nous un beau sourire, Nino. C'est ton ex? C'était le voisin. Gilles! Hey! Non! Mais! Je l'étais avec mes bottes dans l'eau. Oh, j'adore. Je fais du bricolage. Pour aller gratter les ménages. Oh, ta voix, dit. Oh. Ah bon. Capucine. Capucine. Oh, waouh, Capucine, waouh. C'est pas qui c'est, Capucine. Si, si. Ah oui. C'est le chat, bah oui. Mais tu l'as pas connu. Si, si. Oui, ah oui. Attends, j'arrive. Je t'ai pas doué quand même en film. Hein. Ça, c'est les 30 ans, maman. Spectacle de marionnettes pour tout le monde, parce que demain, nous devons assister. Alors, on a mis des dédicaces. C'est que sans bruxellaire. T'as mon petit porte-monnaie? Oui, je suis là-bas. Et là, il y a des petits bonbons pour l'astice. On va jouer à Ratinet et voilà le théâtre là-bas. Le théâtre. Le théâtre. Mais déjà tout à l'aise avec une caméra, quoi, c'est incroyable. Ici, le dessin, vous le voyez bien. Ici, spectacle. Quel dessin? Pour 20 francs. Entrée, elle va regarder le dessin. Puis je vais dire 20 francs pour assister au spectacle. Je vais donner un petit ticket. Oui, tous les en fait, t'étais super chouette, quoi. C'est dommage, hein. 5 fois. Et oui, patati et patata. Bonjour, mademoiselle. Vous voulez assister au spectacle? 20 francs pour y assister. Comment? Comment? C'est trop cher, on y va, non? J'adore parce que tu voulais vraiment pas laisser rentrer tes grands-parents s'ils payaient pas, quoi. Bah, Guy la gratte, hein. Guy la gratte, c'était au taquet. Là, c'était pas une blague, c'était vraiment. Vous avez assisté au spectacle des marionnettes? Oui. Eh bien, ça commence par la princesse des fleurs vaches. Oh, allez. Mais elle avait une imagination extraordinaire, hein. D'où elle sort son accent? Alors, Gilles, tu es où? Allez. Oui, mais vous parlez, j'attends que vous parlez plus. Oh,
Mouchoir, mouchoir. Maman commence pas, j'y vais aussi alors. Merde. Canard. C'est de la gymnastique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui nous avons eu le plaisir de goûter à une délicieuse lasagne faite maison. Rien n'a changé. Vous en dites ça. Oui, chou. Allez! Dans l'auto! Oh, regarde comme t'es belle! Du lit! Eh bien, ça, c'est mes deux lits! Écoute, écoute! Et bien, alors, qui va dormir dans ce lit-là? Personne! Tu sais qui va dormir dans ce lit-là? Non! Roby et moi là! Ah bon, et moi? Et toi, tu te mets dans ta chambre. Oh, wow. Maman. Eh bien, je fais les boulettes que tu m'as demandé. Montre à maman comment il faut faire. On fait les petits ronds. Pas trop gros. Ah non. Comment ça va devenir une grosse boulette? Tu t'amusais bien, maman. Elle était toujours joyeuse, Gilles. Toujours. Tu vas dire le poème que tu as fait pour la fête des mamans à l'école? Dans le couloir. Alors, tu dis, non, regarde la caméra et tu le dis, vas-y. Aujourd'hui, c'était un très beau jour, la fête des mamans. J'ai dessiné ton portrait, mais tu es plus belle en fait. Car que tu souris tendrement, tu es la plus belle des mamans. Bravo, Gilles, c'est bien. J'ai un peu les trois poupées d'escargot. Elle me demandait tout le temps de faire des trucs aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'elle était belle. Tes petites dents. C'est les yeux de James, ça. J'espère que Charlie Jane va te ressembler quand même. Ça sera pas que Simon, quand même. Oh. Ah ouais, ça c'était ton petit jeu, tu te souviens? Ouais. Quand j'ai revu ça, je me suis dit, punaise, ce jeu était incroyable. T'as joué beaucoup avec ça. Ouais. Voilà, il y a quatre petits chiots qui ont marqué en route. Ah! Hey, Jenna! Nena Antmoyank. Elle pleure quand elle voit elle-même, quoi. C'est incroyable. Elle a accouché d'une petite sœur. Ça va, madame? Ça va. Alors, quelles sont vos impressions? Et regardez comme elle est fit en sortant de la maternité, quoi. Jenna. C'est Charlie Jane. Wat een bolle kop, jong. Jenna. Chérie. Il est dingue. Tu vois quand même très fort que c'est Jenna, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. C'est vraiment elle. Tu vois, tu mets 20 bébés et tu sais ça, c'est Jenna, tu vois. Eh oui, Jenna, déjà 3 mois et regardez ce qu'elle mange. 3 mois et demi. 3 mois et demi. Différence d'âge que Bella et un Charlie Jane. Un petit peu, chou, sinon elle va s'étouffer. Ouais. Non, hein. Mais pas des mamans. Non, c'est bon, Jenna. C'est James. C'est là, j'avais l'âge de James, là. Oui, t'avais 12 ans. Nous, on a 12 ans, d'accord. Tu avais 10 ans. 10 ans, donc j'ai l'âge de James, ouais. Oui. Tu te rappelles de cet oiseau? Waouh! Oh, cet oiseau! Tu te rappelles de cet oiseau? Ouais, ok. ça n'a pas changé non plus. On aura la vidéo? Tu l'as trop secoué, maman. Viens un peu chez maman. Jenna a 9 mois. Et toujours pas un poil sur le crâne, quoi. Papa, sur la photo, oui. Allez, les scouts, on va boire notre chocolat chaud. C'est en dessous de ce fameux bureau que j'avais collé tous les trucs de Leonardo DiCaprio que je raconte dans ma vidéo, tu vois. C'est ce bureau-là. C'est là. Ce matin. Première fois debout toute seule. On l'a retrouvée comme ça. Elle s'est fait toute seule, debout. Ça, regarde, doucement, Gilles.
Elle a vraiment été trop secouée. Hein. C'était son anniversaire, c'était son anniversaire. Un an et pas de cheveux. Non, ça a duré bien longtemps. Oh! Tap dance. Allez, Jenna, non! Et voilà, nous sommes là! Bonjour. Regardez la première vedette de cinéma qui passe à l'antenne en se direct. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nouvelle année 2000. Ah oui, ça vient. Nouvelle année 2000. On croyait tous que tout allait péter comme ça. Que tous les ordinateurs, que tout allait. Ivana, ce fantastique breton, regardez-moi ce service. C'est impeccable. Regardez ça. Je fais pas mon métier pour rien. C'est trop grave. Nous pouvons voir que vous regardez la belle-mère, qui n'est pas une mère, mais... Nous se revoyons pour demain avec le journal. Au revoir, madame, au revoir, messieurs. Et toi, Glenn, t'as été dans ta casse à l'échec. Et là, t'as une visite fatiguée. Aujourd'hui, c'est un très, très grand jour pour Jenna. Aujourd'hui, on est le 28 avril. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'école? De la peinture. Du bricolage. Toutes sortes de choses. Apprendre des chansons et tout ça. Ouais. Hein? C'est bien, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce style? Allez, vas-y. Yeah, Gilkin. C'est quoi ces chaussures? C'est des buffalo, c'est des buffalo. C'est nous derrière. Qui va mort là-dedans? Et l'autre derrière qui pleure à la mort. Et voilà ce que Glenn Scott réussit. Oh, c'était cette affreuse maison qu'on avait louée. Mon Dieu, l'horreur là. Oui. L'horreur, on avait loué un truc, mais abominable. Oui, ouais, vraiment abominable. Je ne savais pas que c'était comme ça, coucher c'est horrible. Là, c'était horrible. Je vais chercher la baballe. La baballe. Il a 11 mois et demi. Ouais, t'es bien précoce, hein. Peter, qu'est-ce que... Peter. T'as vu, Bella, j'avais un chouette look hein, pour 13 ans, moi. On n'était pas habillés pareil. Hein. Mais en fait que les anniversaires, des trucs comme ça. À la fin, il y avait moins, parce que t'avais moins de temps aussi, à mon avis, avec nous trois. Bah ouais. C'était les vacances, les annifs. Bah ouais. C'est le même gâteau à chaque fois. J'avais le même livreur. It's good! Joyeux Noël! Joyeux Noël! À moi! Merci! À moi! Joyeux Noël! Vas-y, maman, je t'en prie, parle! Joyeux Noël! Oui, 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 et pourquoi? Ah non, comme ça. Pas comme ça. Pas du tout, non. Quand il y a papa, il n'y a qu'il y a. Donc, et...
Oh Bella, waouh. C'est Bella, du coup. C'est Bella, tu sais. C'est fou, hein. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah ah, qu'est-ce que tu as fait, Jenna, aujourd'hui? L'esquive de la question. Et qu'est-ce que tu as fait chez maman? Même la voix. Ouais. Dessiner, waouh. Mais on se voit à la télé, en fait, là. Oui, maman nous filmait et on se voyait à la télé. Regarde l'autre, là. Qu'est-ce que tu as fait? Dis coucou à maman. Coucou. Hé hey. Coucou, maman. Ah. Où est-ce qu'on est? Au vacances. Djerba. Djerba. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? À Djerba, il y a des chameaux. Oui. Et on est dans une hôtel. Dans une hôtel. Allez, de nouveau un look extraordinaire. Ah mais là, c'est, tu faisais tes looks toute seule. Oh, punaise, quoi, je suis tapée, mais alors. Tu te tapais toute seule, hein, oh, précise. Où tu es là? Hein? Deux. C'est vrai que c'est fou, si t'as vraiment pris du visage à ce moment-là, blindé. T'es courageux, mon loulou. Dans la poche, dans la poche. C'est moi, le plus fort. Parce qu'il y a alcool. C'était ton boyfriend? Non, non, c'était un copain que je t'ai fait dans le club. Ah, il a vraiment pas envie d'être là. Alors, qu'est-ce que tu veux avoir passé à Nicolas, Jenna? Choisir. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'on doit moi, être sage. Et toi, Gilles? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Moi, qu'est-ce que je dois faire? Parfumer encore. Je sais pas, mais elle m'a parlé, ma soeur de pite. Il a parlé à toi? À moi? Être sage, ouais. Avoir du respect pour les autres, ouais. Aider dans la famille, ouais. Ranger tes affaires. Ouais. Mettre tes pantoufles. Maman était fatiguée. Bien travailler à l'école. Ouais. Et pas courir derrière les garçons. T'entends, Bella? Voilà. Allez. Pas content du tout. Oh, des faux seins. Saint-Nicolas m'a apporté des faux seins, maman. C'était des faux seins? Oh. Des prothèses, ma mère. J'ai mon frère au bisque, ça dit. Oui, mais elle me donne le mauvais rôle, mais c'est elle qui voulait ça. En tout cas, j'étais. Quelle idée, quand même, enfin. Yeah. Avec son petit pyjama, regarde elle, comment elle avait mis son pyjama. Fletcher. Rien changé. Ascenseur émotionnel, mon dieu. En smooth, Lurquin. Se dire que dans 20 ans, ce qu'on va regarder, c'est cette vidéo pour putain, c'était quoi cette coupe que j'avais? Oh, j'avais encore une boucle d'oreille dans l'oreille. C'est ça qu'on va faire. C'est quoi qui vous a le plus marqué dans la vidéo? Allez, un truc où tu t'es dit waouh! T'as pas changé. Non, on est tous un peu les mêmes, hein, en fait. On est tous très à l'aise, en fait. Ouais, à mort. Hein, on est tous super à l'aise avec... En même temps, on vous filmait tout le temps, quoi. Mais c'est bien, c'est chaud. Non, ça, je j'étais pense pas. Avant-garde. Bah, ouais. Tout le temps. C'est fou parce qu'il y a des moments où, par exemple, quand j'ai vu le petit chien, là, avec les petits chiots, la pluche, ça m'a débloqué des souvenirs dans ma mémoire où, genre, je me rappelais d'autres jouets que j'avais eus. Toi, t'as pas des vidéos de toi, petit? Je crois que mon si, et d'ailleurs, allez, ouais, c'est parti. C'est la deuxième partie du film. Avec plaisir. Et donc, c'est maintenant Avatar. C'est maintenant. Ah, okay. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez, ciao. Ciao. Keep it on repeat. Testify the motion. Love it.